Salut les pilotes, une vidéo, deux accessoires. D'abord les bots testeurs que l'on farme à Morhardane au niveau supérieur, entrée de la mine numéro 2. Les bots testeurs apportent 32% d'augmentation de l'agilité, c'est donc un des must-have des builds esquives, notamment employés par Morag ou employés par Rex. Maintenant que nous avons trois emplacements d'accessoires possibles dans la nouvelle partie plus, c'est à combiner donc avec d'autres accessoires qui vous permettent donc d'atteindre ce fameux build esquive V2.0, si on peut dire. Ces bots se farment sur les CARD en de Brionnac, vous voyez là. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, mais ce sont donc les bots qui apportent le maximum d'augmentation en termes de pourcentage pour l'agilité, à savoir 32%. Combiné à cela, il y a les bots estivales qui, elles, augmentent l'agilité 17. Les bots estivales se farment également à Morhardane. Niveau supérieur, mais cette fois au pont de Middorl. Téléportez-vous donc au pont de Middorl. Un petit demi-tour et dirigez-vous vers le nord. Un petit peu plus loin sur votre gauche, vous trouverez les Lapix à clé et les Lapix Sandy. Ce sont les Lapix Sandy qui vous permettent de looter les bottes estivales. Vous verrez vraiment tout un paquet des deux types de Lapix réunis. Il y aura un petit peu de farm de masse à faire à ce niveau-là. Mais cela vous donne de plus grandes chances de looter en effet les bots, puisque ce sont des lapix de plutôt bas niveau. Donc pour rappel, les bots esters et les bots estivales sont deux standards des builds esquives, que Morag notamment utilise en combinaison avec Brigitte ou une lame commune au modificateur d'agilité proche de 24%. C'est des must-have, donc n'hésitez pas à aller les farmer pour ces builds-là. Voilà les pilotes. Bonne vidéo, à plus tard.